La dernière fois que je l'ai vu, il était haut comme ça. Salut, tonton! Bienvenue dans ta nouvelle résidence de vacances, Kevin. Ouais, trop mortel, les tondales! Souriez! Mes potes, ils vont être trop ouf! Moi, c'est Kevin et je vous kiffe grave! Voyons, Kevin, ce sont des bandits? T'es ouf ou quoi, tonton? Ils volent pour donner aux pauvres! C'est des justiciers, quoi! Ah ouais? Je suis un justicier? Comme vous avez pu voir, je suis le héros du grand mot. Ça veut dire que je peux lui faire faire ce que je veux. Alors, j'ai... Qui c'est? C'est pas un avion! C'est pas une fusée! C'est... Super-Noël! Justifié au grand cœur! Et là, sur qui je tombe? Billy the Kid! Alors je le regarde et j'y fais... Y a un justicier trop dans cette banque! Comment ça me ferait kiffer de faire comme vous? Oh, on n'est pas contre, seulement on est ici. Si on avait un complice... Un complice qui piquerait les clés de son toto. Super! Un complice avec des cheveux longs qui s'appellerait Kevin! Pourquoi pas moi? On parie que je suis cap! Je voulais envoyer un télégramme un moment. C'est très bien de penser à sa maman, mon grand. N'oublie pas de fermer derrière toi. Oh, ciao! On t'enverra une carte. On avait dit que je venais avec vous. Mais où j'avais la tête? Ça fera toujours un otage en cas de pépin. Bon, on court! C'est quoi, courir? Alerte! Les Dalton chez Bud! Une kidnap pour Kevin! N'ayez crainte! Super Noël est là! Il est fou! $250, $300, $350. Pas mal pour une première journée, hein, le môme? Ouais, mais je parie que vous êtes pas cap de faire pareil sans les mains. Les pieds en l'air, c'est un hold-up. Alors, le môme, on n'a pas assuré? Ouais, pas mal. Mais je parie que vous êtes pas cap d'attaquer un train sur un pied. Super! Par lui, peut-être. T'es pas complètement des ouf, les tondales? Ouais, mais ça encore, c'est rien. Il m'énerve, ce petit. Mon père a organisé le transport d'un truc de ouf. Fourgon blindé et garde armée jusqu'aux dents. Je parie que vous êtes pas cap. Ça, ce chariot minable? Nouvelle technique. Mon père dit toujours discrétion plutôt que protection. Mais bon, si vous vous dégonflez... On se dégonfle pas. On va se le faire, ton convoi de la mort avec son super truc de ouf. Les mains en l'air! Ah!
pas. C'est la deuxième fois qu'il nous sauve. Elle est là, trop de la belle. Le premier numéro de Super Clint, le Cowboy Justicier, encore dans son emballage d'origine. Mon père a jamais voulu que j'y touche. C'est ça ton trésor? Il se parle de quoi, Strix? Rien compris. En arrachant le plastique, il a perdu toute sa valeur. Comment tu m'as trop déçu, Dalton. Si j'étais cap, ben je te... Tu me quoi, grande saucisse? Fortif, la grande saucisse. Kevin Peabody, je vous fais chevalier de l'Ordre des Pénitenciers. Grâce à vous, les Dalton ont retrouvé leur place. Ouais, tonton! Cela dit, nous n'avons pas retrouvé la bande dessinée. C'est regrettable. C'est n'importe quoi, cette histoire. Depuis quand les justiciers ils protègent les banques? Parfait! Efficacitude! Une solution adaptée dans le cadre du plan anti-canicule. J'ai juste un doute sur la couleur. Et ici, on contrôle l'impétueuse vapeur en en lâchant quelques vénérables jets de temps en temps. Wow! Je vais étendre les honorables caleçons. Préparez une autre machine. Wow! Ah! Mais quoi? Tu me tapes pas? J'ai un plan. Vous jouez de l'orgue? Mais vous m'en cachez des choses, Monsieur Joe! Par timidité, mademoiselle. Pure timidité. Pourquoi passer par-dessus le mur, si ce sont les murs qui peuvent passer par-dessus vous? Ah? Ça, c'est gonflé. C'est le mot! On va gonfler les bâches avec la vapeur de la blanchisserie. Une fois gonflées, elles soulèveront le pénitencier. Et comment qu'on amène la vapeur avec des caleçons? C'est là que je suis fort. C'est ça qui emmènera la vapeur jusqu'au tour. Avril. Un ver de terre géant. Ah! Les vers géants attaquent. Celui-là m'a l'air endormi. Ah! Je vais l'attaquer à la tête. Impossible de reconnaître la tête de la queue. Je vais l'attaquer au milieu. Oh! Ils sont indestructibles. Salut, Ming! Je vous souhaite un matin radieux, honorable gardien. Bizarre et
ça marche. Ça marche. N'oubliez pas, ils sont enlevés par les vers géants. Je vais les sauver. Pas. On a rien fait. C'est pas moi. On reste tranquille. Et on reste groupés. Gardez bien nos locataires en dessous du bâtiment. Par ici. Par là maintenant. Plus par ici. Ramenez-les par là. Pas par là. Pas par là. Ça remarche! Ouais! Qu'est-ce que les visages pâles à la rayure ont encore inventé? Descendez-moi ça. Oh, c'est bon, la liberté! Et ça aussi! Je me demande si j'ai pas un peu la poisse parfois. Hey, vous avez vu? J'ai sauvé le monde libre d'une invasion de vers géants à moi tout seul. Waouh, génial, Joe, regarde, il y a un nu vapeur ce soir. Moi j'en ai marre. Quelqu'un lui donne une baffe. Oui, monsieur le directeur, je peux faire quelque chose pour vous? Oui, par exemple, me trouver une solution pour remettre le pénitencier à sa place. Ah, ce pénitencier... Passionnant! C'est vraiment gentil de nous faire visiter votre camp, loup cinglé. Qu'est-ce que c'est, marrant? Moi, il y a que les banques que j'aime visiter. Là, son esprit s'est envolé pour entrer dans le corps d'un bison. Tu parles d'une arnaque pour touristes. Allez, c'est le moment de se tirer discretos. Joe Dalton ne devrait pas mépriser la magie de nos ancêtres. Humbaye, Mayave, vrai faucon. Je suis tout bonnement ébouriffé. Mais c'était pas du pipeau, ces singeries. Écoutez-moi, je sais comment on va se tirer d'ici. On chante cette stupide chanson. On se met dans le corps d'un bison, on force la porte du pénitencier et y a plus qu'à revenir dans notre corps pour se faire la balle. Vous avez pigé? C'est pas compliqué. Dis, Joe, tu sais ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui? Tiens, on dirait la berceuse de ma maman. Oh, une poule. Il y a du lapin. Ça a marché! Mais qu'est-ce qu'on fait dans un corps de lapin? Tout ça, c'est de la faute à son estomac! Bon, on recommence. Et cette fois, tout le monde dit bison! Humbaye, Mayave, Humbaye! C'était pas Humbaye, Mayave plutôt, Joe? Non, ça rimait! C'était Humbaye, Mayava! Ouais, ou bien alors Humba. Oh, je sais plus, là. La ferme! Laissez-moi faire! Oh, c'est quoi déjà? Des coyotes! Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, ceux-là? Nous manger! Vous ne trouvez pas qu'ils ont quelque chose de changé?
Encore un de leurs stratagèmes tordus pour s'enfuir. Nous devons les garder à l'œil, croyez-moi. Oui, mais enfin tout de même. On dirait qu'ils se prennent pour des... lapins. Hé, hey, mais ils ont pris un nouveau chien de garde. Il a l'air idiot. Hé, hey, toi là, le chien, c'est ma prison. Ma chère, il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. C'est mon Joe! On les a semés! Bon, il faut qu'on trouve ces paroles. C'était quoi? Matavé, Umbray et... Un aigle? Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Nous manger! Suivez-moi! Ça peut plus durer! Umbayota! Impossible de se souvenir! Non! Non! Faut qu'on retourne chez les Indiens. C'est le seul moyen de retrouver les paroles de cette chanson d'emplumée. Ah! Je vole! Je savais que les chiens volaient. Regardez ce que Tante Betty a apporté pour vous. Quelle étrangitude! Il n'y a plus qu'à trouver vrai faucon. Umbaye mayave, umbaye mayave, umbaye mayave, coyote! Ça y est, on a les paroles, on peut mettre les voiles! Les Dalton, c'est vous! Vous n'avez pas le droit d'utiliser les incantations secrètes! On se tire! Attendez, on va le calmer vite fait. Umbaye mayave, umbaye mayave, ours! C'est qui le plus malin maintenant? Ok, on se tire. Umbaye mayave, bison! Oh, ça y est, Joe! On a réussi! Bah, ton bison est tout petit! T'occupe, Avril, on défonce cette clôture et en route pour semer la panique au pénitencier. Ah! Aïe! On se calme, les bestiaux, ou je vous fais tâter de mon fouet. Aïe! 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 Dis, Joe, c'est quoi cette boîte où on va? Une machine à se dégager! Umbaye mayave Dalton! Mais on est dans une cage! Qu'est-ce que c'est encore que ce bazar? Oh, voilà pour vous, les Dalton. Une bonne dose de carotitude. Hein? Il ne faut pas chercher à comprendre, Miss Betty. C'est drôle, Joe. On dirait qu'ils nous prennent pour des lapins. À table! Non, merci, je sors de table. Umbaye mayave. Oh là, mais qu'il est bête, ce chien. Bon, qu'est-ce que je fais là? Heureusement que je sais voler. Peabody, sortez-nous de là immédiatement!